Salut à tous et bienvenue sur le Nexus. Aujourd'hui, on va tester une bizarrerie, un fan game où l'on voit Sonic. Certes, pas très étonnant, mais Sonic qui est lancé sur une Super Nintendo. Et c'est jouable. Alors du coup, c'est Thiago SC qui a fait cette vidéo, ce fan game et de jeu Sonic. Alors, je suis pas un grand fan de Sonic, hein. Je suis pas un grand fan de Sonic, mais mine de rien, pour quelqu'un qui joue pas trop à la plateforme, j'ai fini le 1 et le 2. J'ai pas fini d'autres. Alors, le jeu est fluide. Alors, il y a des bruitages ici, on entend. Les bruitages se font pas. Alors, à part ça, on entend quand même assez bien la musique du jeu, qui est vachement plus smooth, je trouve, que sur Mega Drive. Mega Drive a toujours eu la réputation de son assez métallique. Et là, nous avons un petit jeu de plateforme. Ouh, joli. Bon, je pense qu'on va bientôt arriver. Oh là 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 là, ça c'est pas cool. Alors, ouh là là, j'ai eu la chance. J'ai vraiment eu la chance. Alors là, on va faire ça. Alors, je regarde si les touches. Ok. Je regarde si je peux pas faire autre chose, mais apparemment, j'y arrive pas à faire l'accélération. Bon, je pense qu'ici je vais gagner. Non? Pas encore? Peut-être. D'accord. C'est que le premier niveau, donc la fin est pas là. On va tester autre chose. Alors on va aller ailleurs, on va voir. Voilà, là. Hop là! C'est très bien fait. C'est très fidèle aux matériaux de base. Il n'y a pas de bug de jeu, de gameplay en général. On est sur un gameplay très fidèle. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que du coup, je joue à un jeu fait par Sega, sur une console fait par Nintendo, avec une manette fait par Microsoft, sur un PC fait par, je ne dirais pas la marque. Donc du coup, on est quand même vraiment dans un monde particulier. Alors on a quand même quelques bugs d'affichage d'ennemis, là, on le voit. Ah, mais en fait, non, c'est comme ça, je suis bête, non. Ils sont camouflés, c'est des caméléons. Hop là. On va essayer de faire un game over, quand même. Le but, ça va être le game over. Alors ici, si je fais ça... Boing. Boing. Ok. Là, on va s'en tuer. Ah! La mort n'existe pas dans ce jeu. On va essayer de mourir. Voilà. Donc là, je suis complètement invincible. On est invincible, les amis. On peut pas mourir dans ce jeu. Mais c'est quand même très joli. On va revenir en arrière. Ouh. On a des sensations de vitesse. Hein. C'est pas. J'ai l'impression que c'est un peu moins fort que sur Mega Drive. Je sais pas si c'est partagé. Mais voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Très courte. Sur Sonic the Hedgehog, sur Super Nintendo. Salut à tous!